tu sais que Clinton dit. Où c'est, quel est ton nom? On ne sait jamais. On t'envoie quelque part d'aller remporter le coup. Toi, tu pars gâté. On te met dans un côté pour marquer les buts. Tu refuses de marquer. Là, tu choisis que les filles pour aller marquer les buts chez elles là-bas. Avec ta tête, on dirait que c'est une tête de fantôme. Donc toi là, tu ne mérites pas d'être dans l'équipe camerounaise. Je ne sais pas ce que je veux te dire, mais... Vraiment, même le coach qui était là maintenant, le coach là même en personne, lui, ce n'est pas un coach. Avant, le coupe d'Afrique qu'on a remporté l'année passée, des années sont passées, donc c'est passé dans 2 ans. C'est le meilleur qui joue là-bas. Ils ont remporté le coupe, amené ça au Cameroun, c'est très bien, donc on est content. Ouh là là. Dès qu'on envoie le petit mal aussi, il a tout gâté, imbécile comme ça. Si on ne l'aimait pas, il commence à bavarder. Dès qu'on l'aimait, il commence à gâter encore. Donc finalement, là, il veut quoi lui-là? Lui-là, le malade, c'est là. Il veut quoi finalement? On ne comprend rien du tout. Donc, il est allé là-bas en Égypte. Il ne respecte pas la loi de ce qu'on l'a amené là-bas pour faire. On compte sur lui. On était ici devant la télé pour voir les Camerounais jouer. On est content. Il gâte. Il ne veut pas marquer le but, mais il va marquer chez les femmes. Finalement, toi, tu veux quoi dans la vie du nom? On t'en compte, imbécile. Tu ne mérites pas une Camerounais. Va rester avec l'autre là, il s'appelle qu'en France, là, Mtiti. Voilà, va rester avec lui là-bas. Vous allez devenir collègues. Vous jouez en France. Vous ne méritez pas ici le Cameroun. C'est pas votre niveau ici.